De refuge en refuge. Dans le parc national des écrins, ça va être la balle. Ça grimpe. 1000 mètres de dénivelé. Attention, il arrive. On vous montre tout ça, c'est parti. Attendez. Si vous ne nous connaissez pas encore, Léozers, c'est un média indépendant créé en 2012 qui rassemble la plus grande communauté d'amoureux de nature et d'aventure en France. En 2021, on lançait Recto Verso. Une carte avec, au recto, les 800 plus beaux espaces naturels de France. Et au verso, la méthode en 8 étapes pour organiser soi-même ses aventures. Ajoutez à cela 100 fiches itinéraires, toutes les listes de matériel, la réglementation du bivouac et une plateforme en ligne pour trouver des compagnons de voyage, s'échanger du matériel et des bonnes pratiques. Toutes les clés nécessaires pour partir à l'aventure en toute autonomie. Aujourd'hui, pour donner vie à cette méthode, on a imaginé le Recto Verso Tour. Une grande aventure organisée avec Recto Verso par toute l'équipe des Others. 4 semaines, 4 régions, 4 itinéraires à travers la France, en rando et à vélo. Alors, prêt pour le départ? C'est parti! Bonjour à tous, on est avec Cécile et Laurine pour cette troisième aventure de Recto Verso Tour dans le parc national des Écrins. On vient de prendre le relais de la deuxième équipe qui était en Occitanie pour faire du gravel. Nous, on part pour 6 jours à travers le parc national des Écrins, de refuge en refuge. On a vu qu'il y avait plein de refuges là-bas, donc on va découvrir ce merveilleux parc national. Et pour cette première journée, on est accompagné de Gaëtan et Mathias. C'est parti, on y va? À partir du refuge d'Aubernay, c'est le jour 1, on va direction Chambourg-Léo pour déjeuner. Et ensuite, on dort à Valompierre. 14 km, 1000 mètres de dénive. Ça grimpe. Je suis pas trop en forme encore, mais c'est le sac. C'est le premier jour, le poids du sac. À ce qui paraît, c'est le poids du sac. Tu vois la sueur là? Ça veut dire que ça monte. Allez! Bonjour! Bonjour! Mathieu! Antoine! Bienvenue à Chambourg-Léo face au Sirac. Regardez les chaussures! On vient de démarrer, ouais. On a pris la relève, j'ai gardé le livre. Je dirais du 15 juillet au 15 août, on est à peu près à 30-35 tous les soirs. À table, le repas est servi. La croûte du Sirac avec la tartine chaude gratinée, jambon, fromage oignon. Zoraïdan, d'âne, la spécialité du Val Gomard. Un gratin gratiné aux épinards. Donc t'es gardien du refuge de Chavorniou. Exactement. Un refuge n'est pas un hôtel, donc il y a des règles à respecter. Donc on va vous les afficher un petit peu partout. La règle en fait c'est qu'on réserve sa nuit, on réserve son repas, on réserve son pique-nique avant d'arriver. Et ça c'est très important parce qu'il y a une capacité d'accueil. La réservation se fait en ligne ou par téléphone. Et du coup le règlement ça se fait sur place, on vit ensemble. On n'est pas seul dans son coin, on va partager un dortoir, on partage une table. Ouais. Donc c'est pas des chambres individuelles. Donc il y a aussi des règles de savoir-vivre en groupe. Donc il y a des horaires à respecter, là, pour le dîner j'imagine. Complètement, du coup, Donc, le service est à 19h. Il y a le drap et les serviettes dans un refuge ou justement? Non, pas encore. Hein. Bien avec son sac à viande ou son drap de sac. En refuge c'est la gestion des déchets. Ouais. Les déchets que l'on vend on les gère parce qu'on les a montés. Mais par contre les déchets qui arrivent de l'extérieur on va pas les gérer. Tu montes tes déchets, tu les redescends. Et voilà, il y a des règles à respecter, donc prévoir bien son matériel, redescendre ses déchets, gérer l'énergie. A bientôt à Chambourg-Léo. On était avec Mathias et Gaëtan, et là les deux gars ils nous disent « Ouais, en fait on va vous laisser là, nous on va rentrer direct à Jaubernet et tout. » Qui présage un petit peu de pluie, voire beaucoup. Allez hein. Ça y est, après la pluie, le beau temps, il nous reste à peu près 2 km jusqu'au refuge de Valompierre où on va pouvoir se poser, se reposer. Ça va claque. Et voilà, arrivé, première étape, déjà. Refuge numéro 3. Ouh là putain, oh, ça va. Elle est bonne, garde les Alpes.
Quand je suis parti, je peux parler longtemps. Alors c'est le matin du jour 2, on a dormi au refuge de Vallompierre et ce matin on a pris notre petit déj et on a retrouvé Tommy qui est garde moniteur du parc national des Écrins. Garde justement pour tout ce qui est côté garde, ce que ça peut représenter dans l'imaginaire collectif, et moniteur pour le partage. Du coup le parc il a une forme géométrique un peu étoilée hein, et il fait 90 000 hectares. Plus grand parc métropolitain en termes de superficie, énormément en fait de sommets à 3000, 3005. C'est des vallées qui sont profondes, c'est les derniers endroits qui sont avec des grands espaces sauvages quoi. Et donc c'est vraiment à chérir, à choyer, c'est hyper fragile, c'est une richesse, que ce soit pour nous aujourd'hui ou pour nos enfants, peu importe. Donc attention, quoi. On est les gestionnaires de la planète, on la gère mal. Et on voit l'évolution vers le bas. Maintenant il faut prendre nos responsabilités. Puis, si ça peut permettre à plein de gens de venir et puis de s'émerveiller et de prendre conscience de tout ça, c'est parfait. Bonne balade à vous. Merci. Profitez ça bien. Ça nous donne envie de chérir la montagne. Et puis à bientôt. C'est le jour 2. Départ du refuge de Vallompierre, direction refuge près de la Chaumette. En silence. Pic du Vallompierre, 2700. Easy. Ça monte pas mal. Ça a l'air d'être comme ça. La tête dans les chaussures. Il a fait 9 km. Moi j'ai un petit coup de mou. C'est fini là, de toute façon. Refuge 4. 11 km. Une belle descente. 5h. Je crois que j'ai pris le soleil, ça va se voir un peu. Une petite bière arrangera le coup, je pense. Moi je vais prendre une bière. Le jour 2. Bah si tu prends une bière, moi je te suis. Hein. C'est parce que j'avais peur de passer pour un autre. Jouer en paire, en triplé. Et un autre, parce qu'on est trois. Ouais. Quand tu veux bien. Si tu... Ouais, tu joues ça toi wow. Trou du cul. Petit. Un drap de couchage, toujours. Et on est bien. Bonne nuit, Lolo. Bonne nuit. Qu'est-ce que tu fais, bébé? Aujourd'hui, avec beaucoup de dénivelé, quelques mètres de dénivelé seulement. Attention au décollage. Attention, il arrive. On est gentil. Je pense qu'il va aller un peu vers nous. Il est solide. Ouais. Voilà. Vous voulez qu'on parte maintenant? Gentil. C'est bon, on peut y aller. Hein. Le challenge de la journée, il est là. Non, pas de la cavale. Donc ça monte vraiment vénère. On arrive bientôt au sommet. Pas de la cavale, on y est. 2670 mètres. Et on enchaîne avec le col de l'Aube Martin. On fait le tour, on va jusqu'à la grave. Ah, pas ce soir quand même. Non, pas ce soir. Voilà. Et si un chien nous aboie dessus, le mieux c'est d'attendre voilà. Que le chien se calme. Le chien, s'il t'aboie, il t'a déjà vu. Toi, tu t'arrêtes. Ouais. Ils vont venir vers toi, ils vont te le renifler. Mais il ne faut pas faire des gestes brusques. Avec les bâtons, vous avez tous des bâtons. Ouais. Ouais. Vous faites comme ça, et le chien, pour lui, il croit que c'est une agression. Ouais. Ouais. Et après, ils vont voir que tu n'es pas en danger, que tu restes en danger. Après, bien souvent, si tu as le troupeau là à côté, il t'accompagne. Une fois que tu es parti de loin du troupeau, il te laisse. Quand tu marches, que tu vois les chiens qui sont endormis, qui ne t'ont pas vu, tu fais du bruit pour les réveiller. Ouais. En fait, si tu le préviens, ouais. C'est déjà un moindre danger. On saura.
inverse là, après tu vas à ton droit et tu retombes sur le chemin. Allez, à bientôt. Yes. Il y a des voitures derrière, c'est bon. Il y a des gens qui sentent bon. Il y a des gens qui sentent bon. Merci. Là tout de suite, je vais vous dire, mais on passe du chemin au melon. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Je vais vous le dire. On est arrivé à la buvette, au parking. Là. C'est le parking. Et là, on en avait un peu plein les pattes. Donc, du coup, on a fait les yeux doux aux automobilistes et est rentré vers Val-Louise. Et on est rentré à trois voitures différentes. Voilà. Jour 4. On va au lac de l'Échaudat. On a changé le plan et là l'objectif c'est de faire du stop jusqu'au parking pour éviter de trop marcher quoi, vu qu'on n'est pas là pour ça. Vous n'êtes pas rendu, il a dit au moins trois fois, vous n'êtes pas rendu. Trouver une voiture quoi, tout en marchant. Laurine et Cécile nous ont pas laissé le choix, elles ont vu une Tesla, alors elles sont montées dedans. Elles ont sauté sur le capot. Du coup, nous, on se retrouve à marcher. Croisez les doigts pour nous. Tiens. On a trouvé un petit raccourci. Ça, c'est la Ventura. Il faut dire que ça nous évite quoi, 5 km. C'est parti. Après avoir grugé les premiers kilomètres, cette fois, ça y est. On part direction le lac de l'Échaudat. Donc là, ça va un peu monter. Là, on rentre dans le cœur du parc. Donc le parc national des Écrins, il y a la zone cœur et la zone d'adhésion. Donc, dans la zone cœur, du coup, il y a des réglementations à respecter. Donc pas de drone, pas de feu, le bivouac est autorisé, mais pas le camping, pas de vélo, pas de chien. Tout est inscrit ici, on ramasse ses déchets, on ne cueille pas les fleurs. Il y a un autre moyen de savoir qu'on rentre en zone cœur. C'est les drapeaux bleu, blanc, rouge ici. C'est beau. Je suis pas mécontent d'avoir changé de tracé. Le glacier fond. Comme nous disait Tommy, les glaciers, que ce soit dans les Écrins ou les Alpes, perdent du terrain de l'année en année. Et l'accumulation qui a lieu l'hiver n'est pas suffisante par rapport aux chaleurs qui font fondre le glacier l'été. On va vraiment faire. On va descendre là, cette pente à 53%. Parfois elle est fermée, tellement c'est dangereux. On va vraiment se couper. Il fait beau et puis les paysages changent là, vraiment. Enfin, c'est le premier troupeau de vaches qu'on voit. Les bains. Jour 5 dans les Écrins. On fait 22 km. 22 km. 22. Ouais. Allez, j'étais pas prêt. Donc on y va. Bon, allez, on y va. Voilà. Au lac du glacier d'Arcy. Il est 14h08. Tabassé cette journée si vite. Petit système de base en randonnée à connaître, le système 3 couches. Pour rester bien au chaud et au sec en toutes circonstances. Première couche respirante qui permet de bien évacuer la transpi quand il fait chaud, quand on est dans l'effort, souvent en matière synthétique. Couche numéro 2, c'est la classique polaire qui permet d'isoler du froid, de rester bien au chaud. Couche numéro 3, c'est la couche extérieure, c'est une membrane imperméable qui permet de protéger de la pluie, du vent, de toutes les intempéries. Et qui est aussi respirante, du coup, pour évacuer la transpiration. Et ici, c'est le cas avec la technologie Hardry de Columbia. C'est royal. On rigole, mais on est un peu sur la bouteille. En vrai, c'était trop bien. C'est marqué quoi ça? C'est pas fini. Ah tu vois, oui, okay. C'est pas fini. On se réconforte. On se réconforte. C'est tout épais ça. Ah putain, c'est fort. Voilà, dernière journée.
avec ta caméra. Dernier gros dénivelé. Cécile avait encore un peu d'énergie, du coup elle nous force à faire le dénivelé en plus. Go ! Les 500 derniers mètres. Yes ! Yes ! Yes ! Pio ! Ouais, ça y est, c'est fini. On a fait 6 jours de rando à travers le parc national des Écrins. Trop bien. De refuge en refuge, promesse tenue. Merci d'avoir suivi l'aventure. Nous, on a pris beaucoup de plaisir là, pendant ces 6 jours dans les Écrins. On a organisé cette aventure avec Recto Verso et tout ça, c'est pour vous donner envie à votre tour d'organiser vous-même votre aventure grâce à la carte méthode qu'on a créée du même nom. Donc on vous met le lien en description pour vous la procurer. Là, c'est la 3e aventure du Recto Verso Tour. Il y a aussi la Bretagne avec PA qui est derrière la caméra. Il y a aussi l'Occitanie et on se donne rendez-vous aussi dans 2 semaines. Il y a une autre partie de l'équipe qui est partie dans les Vosges. Oh bordel. Étape de montagne. Aux Vosges. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. À bientôt. Ah merde, je viens de marcher dans une énorme bouse. Oh. En direct. Ça me dégoûte.